Parole de Dieu quotidienne. Maintenant, sais-tu vraiment pourquoi tu crois en moi? Connais-tu vraiment le but et la signification de mon œuvre? Connais-tu vraiment ton devoir? Connais-tu vraiment mon témoignage? Si tu crois simplement en moi, mais que ni ma gloire ni mon témoignage ne sont visibles en toi, alors je t'ai rejeté depuis longtemps. Quant à ceux qui connaissent tout, ils sont encore plus d'épines dans mon œil et simplement des pierres d'achoppement dans ma maison. Ils sont l'ivraie qui doit être complètement vannée de mon œuvre, sans la moindre fonction et sans aucun poids. Je les déteste depuis longtemps. Quant à ceux qui n'ont pas de témoignage, ma colère est perpétuellement sur eux et ma verge ne s'éloigne jamais d'eux. Je les ai remis aux mains du malin depuis longtemps, et ils n'ont aucune de mes bénédictions. Ce jour-là, leur punition sera beaucoup plus pénible que celle des folles. Maintenant, je ne fais que l'œuvre qu'il est mon devoir d'accomplir. Je vais lier tout le blé en gerbe, ensemble avec cet ivraie. C'est mon œuvre maintenant. Cet ivraie sera vanné du bon grain au moment de mon vannage. Ensuite, les grains de blé seront rassemblés dans l'entrepôt et cet ivraie qui a été vanné sera jeté au feu pour être brûlé en cendres. Mon œuvre est maintenant simplement de lier tous les hommes en gerbe, c'est-à-dire de les conquérir complètement. Ensuite, je commencerai à vanner pour révéler la fin de tous les hommes. Donc, tu devrais savoir comment tu dois me satisfaire maintenant et comment tu dois emprunter la bonne voie dans ta foi en moi. Ce que je cherche, c'est ta fidélité et ton obéissance maintenant, ton amour et ton témoignage maintenant. Même si tu ne sais pas en ce moment ce que le témoignage est ou ce qu'est l'amour, tu dois me donner tout ton être et me remettre les seuls trésors que tu as, ta fidélité et ton obéissance. Tu dois savoir que la preuve de ma victoire sur Satan se trouve dans la loyauté et l'obéissance de l'homme, tout comme la preuve de ma conquête complète de l'homme. Le devoir de ta foi en moi est de témoigner pour moi, de m'être fidèle et à personne d'autre, et d'être obéissant jusqu'à la fin. Avant que je commence la prochaine étape de mon œuvre, comment me rendras-tu témoignage? Comment seras-tu fidèle et obéissant envers moi? Consacreras-tu toute ta fidélité à ta fonction ou vas-tu simplement abandonner? Souhaiterais-tu plutôt te soumettre à toutes mes décisions, que ce soit la mort ou la destruction, ou fuir à mi-chemin pour éviter mon châtiment? Je te châtie afin que tu me rendes témoignage et que tu me sois fidèle et obéissant. En outre, le châtiment à l'heure actuelle est d'inaugurer la prochaine étape de mon œuvre et de permettre à l'œuvre de progresser sans entrave. Par conséquent, je t'exhorte à être sage et à ne pas traiter ta vie ou la signification de ton existence comme du sable sans valeur. Peux-tu savoir exactement ce que sera ma prochaine œuvre? Sais-tu comment je travaillerai dans les jours à venir et comment mon œuvre se déroulera? Tu dois connaître la signification de l'expérience que tu as de mon œuvre et, en outre, la signification de ta foi en moi. J'ai tant fait. Comment pourrais-je abandonner à mi-chemin comme tu l'imagines? J'ai accompli une œuvre si vaste. Comment pourrais-je la détruire? En effet, je suis venu mettre fin à cette ère. Cela est vrai. Mais en plus, tu dois savoir que je vais commencer une nouvelle ère, une nouvelle œuvre, et surtout répandre l'évangile du royaume. Ainsi, tu dois savoir que l'œuvre maintenant consiste seulement à commencer une nouvelle ère, à jeter les bases pour la diffusion de l'évangile et pour amener cette ère à son terme dans le temps à venir. Mon œuvre n'est pas si simple que tu le penses, ni n'est-elle sans valeur ou sans importance comme tu peux le croire. Par conséquent, je te le dis comme avant, tu dois donner ta vie pour mon œuvre, et plus encore,
tu dois te consacrer à ma gloire. En outre, que tu me rendes témoignage, c'est ce que j'ai tant attendu. Et plus encore, j'ai instamment désiré que tu répandes mon évangile. Tu devrais comprendre ce qu'il y a dans mon cœur.